Cet ouvrage de la collection Jolitour permet de mettre l'enfant dans une position de conteur pour pouvoir restituer à un public l'histoire avec les différentes voix des différents personnages. C'est vrai qu'il n'est pas grand. Il ne doit pas être si méchant. Et ça implique pour eux de bien cerner justement ce que chacun des personnages a à dire et pourquoi il le dit dans l'histoire. Loupio s'applique pour apprendre l'alphabet. La lettre qu'il préfère, c'est le A. Il ouvre grand la bouche et fait A. Je dirais que la dimension de la lecture à voix haute, c'est qu'on va vraiment intégrer le fait qu'on partage un moment, une histoire. On va justement, en incarnant ces personnages, vouloir faire passer quelque chose à son public. Une intention de comprendre ce qui se dit et de le partager à plusieurs.